Je suis ravie. Toutes les bibis, bibi manque en priorité, mais toutes les bibis et moi-même sommes ravies de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo lifestyle depuis le début de l'année. Pour toutes celles et ceux qui peut-être n'appréhenderaient pas ce dont il est question, je vous renvoie à la première édition de mes vidéos lifestyle pour l'année 2020. Il est question de vidéos sous forme de haul slash unboxing, parce que les choses sont dans les cartons. Tout ça c'est miot. La maison, cuisine, linge de lit, vaisselle, la maison, d'accord. La beauté, ça peut être des appareils, hein. La déco, la nutrition saine, des choses, des idées, des trouvailles, d'accord. La raison pour laquelle j'ai désormais décidé de faire de ces vidéos des vidéos plus fréquentes, plus régulières, c'est que je vous le savez, hein, si vous suivez un petit peu mes stories, j'achète tout le temps des choses, moi. J'achète pour moi, pour offrir, pour partager les choses de la vraie vie, j'update, je remplace, j'ai plus de batterie, comment? Pour updater mes choses, vous savez que je me lasse, j'aime bien changer, j'aime bien... Voilà, donc j'ai émis, dans ma dernière vidéo, j'ai émis l'hypothèse d'en faire des vidéos mensuelles, et très nombreuses ont été les réactions de « oui, on veut voir les choses de la vraie vie ». Ce sont mes vidéos lifestyle, ce sont vraiment les vidéos des choses de la vraie vie, pour les gens de la vraie vie, le pratique. D'accord? Et le bon plan et les choses. Donc là où je suis pas du tout sûre d'en faire des vidéos, des rendez-vous mensuels, je veux en revanche en faire des vidéos fréquentes, d'accord? Premièrement parce que en story ce serait trop long et ça me priverait de vous partager d'autres trucs. Et honnêtement parce que en story je pourrais pas vous montrer tout ce que j'ai la possibilité de vous montrer ici sur YouTube. Donc on y va tous à the mute. La terminaison d'une saga qui n'a que trop duré, qui est romantique et mignonne mais qui n'a que trop duré, la terminaison et les choses. Donc je commence par la fameuse saga, et donc il est question de vaisselle. Je vous ai rabattu les oreilles avec cette collection de chez Layol. Je vous ai partagé, je vous renvoie mes stories, mes vidéos précédentes, la vidéo lifestyle précédente notamment, le mug, le fameux mug des États-Unis, vous connaissez l'histoire à peu près. J'ai enfin reçu les petits mugs. Donc j'en ai 6, mais là je ne vous en montre que 2. Les mugs. Donc là c'est l'Ayol que j'ai attrapé sur Showroom ou Amazon, je sais plus. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et la fameuse théière assortie. Alors attendez, je les pose délicatement parce que c'est pas maintenant pour casser les selles là. Et je le disais, la fameuse théière que j'ai dégotée chez Bouchara et qui répond parfaitement au service. Ne bougez pas, je l'attrape. Voici les cartons. Moi, Bouchara, moi, j'aime Bouchara, bien sûr. J'ai la carte de fidélité. J'ai la carte de fidélité. Je connais le crew, le directeur, les vendeuses. Je connais tout le monde. C'est la maison. Toujours, c'est vrai. Eh bien, figurez-vous que chez Bouchara, j'ai dégoté la théière qui répond, je le disais, parfaitement à mon service. Où est le tuteur des familles? Il est là, les mignons. Vous savez, hein, si vous êtes fidèle, et je ne sais pas vivre sans lui. Donc, parce que c'est folie tous les jours. Ça fait trop de bruit pour vous? Elle est trop belle. Tenez. Voici la théière. Donc moi, vous me savez très grande buveuse de thé. Je vous assure qu'elle est absolument identique à tout le reste de mon service. Donc c'est incroyable. Il y a du Target, il y a du Layol, il y a du Bouchara, des marques complètement différentes, mais qui sont toutes identiques dans le style. C'est incroyable. Les produits qui sont tous identiques. Je reviens pas. Vous revenez ou pas? C'était une longue saga. Franchement, les filles, c'est la plus longue saga relative à la vaisselle qu'on ait jamais entendue dans l'histoire de l'humanité. Voici le couvercle. Ça, je peux jeter maintenant. Comment? Ah! Et donc, voici. Et franchement, je ne suis pas peu fière. Donc probablement que vous en avez assez, c'est la dernière fois que je vous en parle. Mais voilà, pour toutes celles et ceux qui éventuellement auraient acheté quelques éléments de ce service sur mon initiative, sachez qu'il existe la théière. D'accord? Voilà, donc. Je poursuis avec toujours des choses de la maison. Et alors là, c'est quelque chose que je viens de recevoir. C'est un produit, franchement, qui moi, m'est indispensable. Pourquoi vous dire une chose? Donc là, c'est une vraie astuce des choses de la vraie vie. Donc, pour établir le contexte,
Je suis maniaque, hein. C'est pas quelque chose dont je suis fière, c'est pas quelque chose dont j'ai honte, c'est juste un état inconstant, hein. C'est un état de fait, d'accord? C'est une situation qui existe, voilà. Je suis maniaque et quelquefois des petites choses me chagrinent, au premier rang desquelles les rayures. Les rayures, d'accord? Donc les rayures, je suis pas bien, j'essaie déjà. Mais là récemment, j'ai rayé le méga miroir de mon vanity. Vous connaissez le miroir de mon vanity beauté là-bas, le miroir Hollywood? Je vous fais mes stories dedans. Je l'ai rayé parce que c'est ma faute, d'accord? Je pose l'ordi dessus. Je suis là en train de regarder des choses, etc. Et je pose l'ordi dessus. Et en retirant mon ordinateur, je l'ai méchamment rayé. J'ai rayé le miroir, d'accord? Et bien, Dieu bénisse! J'ai une astuce des familles que j'utilise depuis fort fort longtemps. Il y a ce produit miraculeux qui est donc le miroir. Je vais vous dire une chose, j'en ai acheté deux. Parce que je sais à qui je vais offrir la deuxième bouteille. Ben, je vais offrir l'impeccable et je vais garder la cabossée. Elle est un petit peu cabossée, je ne sais pas si vous le voyez. Le miroir, qui est un expert depuis 1911 apparemment. C'est un produit qui est fait pour nettoyer en profondeur et faire briller le cuivre. C'est indiqué, formule cuivre, laiton, bronze, aluminium, acier, nettoie en profondeur, brille longtemps. Donc au départ, originellement, c'est fait pour le cuivre. Mais moi, je l'utilise avec un petit coton, un petit disque de coton démaquillant, en petit mouvement circulaire, initialement pour ma montre. Parce que j'ai une grosse montre comme ça que vous avez probablement... Là, je ne la porte pas pour tourner mes vidéos parce qu'elle est trop shiny. Ce sont des cristaux de Swarovski, ça serait de boule à facettes. Mais je l'aime infiniment, je l'ai depuis des années. La face vitrée, je la cogne tout le temps, je la raye souvent, d'accord? Et ben j'ai au départ, c'est pour ça que j'ai acheté le miroir, parce que moi je n'ai pas des casseroles en cuivre. Je trouve ça très très beau, mais moi je n'en ai pas. On voit pas la nécessité. Ça matche pas avec ma déco, etc. Mais je vois, hein, une très très belle batterie de cuisine en cuivre, comme ça, suspendue, c'est très beau, d'accord? Moi je n'ai pas de cuivre, mais les rayures. Et ben ça fait des années que je solutionne les rayures sur le verre, sur le... avec le miroir. Et donc là, je vais guérir, je vais soigner la rayure de mon miroir avec ça. Bon, ça sent fort et tout, mais c'est efficace. Et autant vous dire qu'avec ça, là, ça fait 250 ml. Je l'ai jusqu'à la fin des temps. Hein. Là, c'est un... Donc, je l'ai dit, il faut bien le mélanger, etc. Moi, je l'utilise sur un coton et j'y vais en mouvement circulaire. Et quand j'estime que ça fait suffisamment longtemps que la rayure est fort estompée, voire complètement disparue, j'y passe avec une chamoisine comme ça pour faire briller les choses. Et les filles et les garçons, je vous assure que ce truc-là est capable de miracles, ce incluant sur... Ah, il y a une bête, hein. Ce incluant sur les rayures profondes. Je préfère vous dire une chose. Miroir. Donc c'est pas un produit miracle, mais la vérité c'est un produit miracle, je vous jure. Pour une vraie problématique de la vraie vie, mais initialement, en premier lieu, c'est fait pour le cuivre, d'accord? Donc voici pour mon miroir, donc celui-ci, je l'ai dit, c'est la formule cuivre, c'est celui que moi j'utilise, mais je peux également utiliser celui-ci, qui existe également, toujours le miroir, mais la formule argentile. Et lui, il est très intéressant pour tout ce qui est l'inox, l'étain. L'argenterie, il nettoie en profondeur, il fait briller, je vous assure que ça fait disparaître les rayures, les stries, les rayures. C'est miraculeux, ces produits, franchement, c'est des trucs de grand-mère, etc. 1911, ça je savais pas 1911, d'accord. Mais moi je le connais depuis que je suis très jeune, depuis toujours. Moi je suis maniaque, franchement, vous auriez dû me voir gosse, depuis toujours. Moi on m'a jamais dit, va ranger ta chambre ou comment. Bref. Les deux, donc l'argentile et le cuivre, moi personnellement pour les miroirs, c'est celui-ci que j'utilise. Mais je possède également l'argentile. Je m'en sers beaucoup pour mes Evian Inox. Donc, et les chromes. D'accord? Les robinets, tout ça, oui, je suis maniaque, d'accord? Donc, voici pour ce petit secret de grand-mère que Bibi Poppins est ravie de vous partager. Je poursuis. Je poursuis, et alors pareil, là, j'y vais avec tout ce qui est le plus près devant moi. Un backup d'un produit que vous connaissez normalement si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, les flosses. Le floss qui est essentiel pour une hygiène dentaire suffisante, réelle, raisonnable, d'accord? Donc moi vous savez que maintenant j'ai la chance d'avoir le floss, l'hydrofloss de Philips, lui là.
que j'ai reçue de la part de Look Fantastic. Merci de tout cœur une nouvelle fois à Maronella chez Look Fantastic, qui m'a laissé le libre choix de ma sélection, et donc moi je me suis emparée de ce trésor dont je rêve depuis longtemps. Mais évidemment, tous les jours je flosse, et Dr Zenab, elle est fière de moi, elle me dit oui bravo, ça se voit que tu flosses, tout ça. Tous les flosses ne se valent pas, beaucoup sont très dangereux. Les flosses fil, aspect textile, sont très dangereux. Saignement des gencives, et sur le long terme, c'est très mauvais, d'accord, c'est nuisible. Donc moi, ce sont ceux-là que j'utilise. Ils sont épais et ils sont cirés. Donc, et il y en a 150, fraîcheur menthe, c'est formidable. Je ne peux pas vivre sans ce produit. Donc, le petit backup des familles, des choses qui vont bien. Toujours pour les dents, la sphère dentaire. Vous connaissez également ce produit. Et vous êtes nombreuses et nombreux, c'est très bien là que j'ai fait un backup. Parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me dire, oui, je sais que tu en avais parlé, mais je ne sais plus dans quelle vidéo, quel est le produit que tu recommandes. C'est un produit, ce sont des pastilles. Ben, je vais l'ouvrir parce que comment vous dire que là, il m'en reste à peine une plaque, même pas, à moitié. Ce sont des pastilles effervescentes que j'utilise pour détruire les bactéries de mes gouttières Invisalign. Vous savez que j'ai la chance d'avoir subi un traitement Invisalign. J'ai des gouttières de contention que je porte toutes les nuits sans exception, plus un après-midi dans la semaine. Eh bien, le matin, mon premier réflexe, c'est lorsque je retire mes gouttières, de les mettre dans l'un de mes deux verres Baston. Eux là, vous vous souvenez les Boston de Villeroy et Bord. Hop, je retire mes gouttières, je les mets dans le Boston, une pastille, je remplis d'eau et je le laisse. On est censé le laisser 20 minutes, d'accord? Moi, je le laisse plus que ça. Et ensuite, je les brosse mes gouttières à la brosse à dents. Il y a une brosse à dents spécifiquement pour mes gouttières. Et je les pose à plat à l'envers sur une serviette propre et je les laisse sécher à l'air, comme ça. Bien sûr. Mais ça, c'est une étape nécessaire et indispensable. Parce que mes gouttières de contention, j'avais plusieurs paires, d'accord? Mais une paire est censée durer, j'ai le haut et le bas, une paire est censée durer plusieurs mois, d'accord? Donc en tout premier lieu, les questions d'hygiène, d'accord? Mais également pour la longévité, la durée de vie de mes gouttières, qui m'ont coûté un demi-million de dollars, d'accord? Donc voici qui me permet, donc je le disais, de répondre à une question que vous êtes très nombreuses à me poser. Tue 99% des bactéries, parce qu'on n'a pas le temps. Ok. Donc voici pour ceci, je poursuis toujours avec ce que j'ai sur ma petite table, mon magnésium de chez Natural Calm, je présume, j'espère que vous connaissez ce produit, magnésium en poudre que je joins volontiers à mes bouboules. Là j'ai mes electrolytes, là j'ai mon eau, à la place de mes electrolytes, régulièrement j'utilise du magnésium. C'est tout simplement un supplément magnésium, donc là la saveur c'est framboise citron vert, il est délicieux. En lieu et place de mes électrolytes. Voilà, supplément, c'est un complément alimentaire, un supplément en magnésium qui est nécessaire. À le magnésium, le magnésium. Bon. Donc moi, c'est celui-ci que j'utilise depuis très très longtemps. Le magnésium contribue au fonctionnement normal des muscles, du système nerveux, et est un énergisant général du métabolisme, le magnésium, d'accord? Donc c'est celui-ci, moi, que j'utilise et que je recommande. J'aime son goût. Je l'aime, ça fait des années que je l'utilise. Donc voici pour... Je sais pas si je vous l'avais pas déjà présenté, ça peut être dans une vidéo forme et santé. Bref, si c'est le cas, vous voyez que je suis cohérente. Si ça n'était pas le cas, vous le découvrez. Et c'est très heureux. Donc je poursuis. Oui, c'est une vidéo qui va pas durer très très longtemps. Mais c'est une vidéo qui contient un petit segment very exciting et gourmand. Toujours dans la nutrition saine. Vous savez que je suis une diète cétogène. Je suis keto pour mon plus grand bonheur. Franchement. Je pense que je vais faire un update sur la diète cétogène, parce que je l'ai dit, je reprends les vidéos forme et santé, là vous avez vu récemment, ou vous allez voir, je ne sais plus. L'alimentation saine, c'est vital, c'est vital. Beaucoup de notre attention est concentrée sur des choses qui sont secondaires en réalité. La nutrition, c'est plus important même que le sport, alors que le sport, c'est la vie, d'accord? Bref, pour revenir à mon temps, je pense que je vais faire un update sur la diète cétogène. Et peut-être l'ouvrir à des questions, à vos questions. Mais bon bref, vous savez que je consomme la MCT Oil en poudre dans mon café et en liquide dans mes shakes, dans mes smoothies. Et donc on m'a fortement, chaudement, je le découvre, hein, mais on m'a chaudement, des amis américains qui suivent la diète cétogène, m'ont recommandé celle-ci. Et Dieu bénisse, j'ai réussi à l'attraper sur notre Amazon à nous, parce que leur Amazon à eux, comment vous dire? Il m'a exclu, la voici. La bouteille est magnifique. Keto Source Pure C8 MCT Oil 1000 ml et c'est la meilleure.
C'est la meilleure. C'est la meilleure. Elles ne se valent pas toutes, d'accord? Ils m'ont dit une fois que tu auras commencé à utiliser celle-ci, tu ne reviendras jamais en arrière. Donc je leur fais confiance, évidemment, ils ont le knowledge, c'est pas que c'est leur métier, mais c'est presque leur métier. Formidable. Et packaging en plastique, formidable. Souple, je veux dire, léger, souple. Je suis ravie de vous partager ça et je suis ravie que ce soit disponible depuis chez nous, d'accord? Donc je m'en suis. Donc là voilà. Ça c'est un partage de la vraie vie. Pour ma chambre d'amis. Moi ma chambre d'amis, je la néglige pas, elle est aussi crémère. J'y mets autant de soins que dans ma chambre à moi. La literie, je veux que tout soit parfait, etc., etc. Et donc il fallait une couverture. Il fallait une couverture parce que moi j'ai une couverture de luxe dans ma chambre à moi. Mais je voulais vraiment, dans la chambre d'amis j'avais une couverture, je pense que c'est une couverture. Ça va faire sourire toutes celles et ceux qui comprendront mon propos. Je pense que toutes les familles nord-africaines ont cette couverture. Qui est un espèce de polaire avec des tigres dessus. Je ne vais pas la chercher pour vous la montrer. Si je la trouve sur internet, je vous mets une image ici, mais sans image. Les filles et les garçons qui êtes de mes origines ou d'origine voisine, vous voyez exactement à quelle couverture je fais référence. Donc j'ai dit, même moi j'en ai marre de la voir, d'accord. Elle est chaude, je dis pas, mais esthétiquement, ça, il y a plus de saison, donc j'ai acheté une couverture. Vous voyez la quelle couverture ou pas? C'est l'histoire vraie, moi je vous dis, je suis nana de la vraie vie, bien sûr, couverture arabique. Partout où je suis allée, les Tunisiens l'ont, les Marocains l'ont, les Algériens l'ont, tout le Maghreb a cette couverture, je sais pas comment ça se fait. C'est culturel, je vois. On s'est jamais interrogé sur l'origine de cette couverture. Bref, on l'a tous, hein, franchement. Bon, bref. Je l'ai même vue dans des... tu sais, les cadeaux de mariage... tu sais, il y a les services de vaisselle et la couverture en tigre. Bref, j'ai acheté celle-ci et elle est géniale. Waouh! Déjà, j'aime la couleur, elle est top, elle est un peu comme ça, neutre. Elle est très belle, très très belle. Et elle est très grande, il existe évidemment différents formats. C'est un queen size bed dans la chambre d'amis. Donc c'est parfait pour le lit qui est dans la chambre d'amis, mais il existe différents formats, d'accord? Soit incluant le lit, une place, les petits lits, etc. Je l'ai trouvé génial, les commentaires étaient très très bons, et effectivement, elle a l'air extraordinaire, elle est chaude, je suis bien. Elle est même pas sortie à mon pull, hein. Tu as remarqué ou pas? C'était pas fait exprès. Donc voici pour ce nouveau partage des choses utiles, voire nécessaires de la vraie vie. Que personne ne vous partage, bien sûr, les couvertures, bien sûr. Donc voici pour ce partage. Là, j'en viens à ce qui est à côté de moi. Sur la table, j'ai plus rien à vous présenter à part le make-up, mon make-up, parce que là je les ai mis devant moi parce que je suis époustouflée. Ceci qui est un accessoire supplémentaire pour mon Instant Pot que j'ai acheté tout seul, hein. Il est vendu tout seul. Donc l'Instant Pot, vous êtes très nombreuses, et nombreux les brothers, à l'avoir acheté très peu cher, je crois 69 € pendant le Black Friday. Et deuxièmement, vous êtes très nombreuses et nombreux à me réclamer des recettes dans l'Instant Pot. Je vous assure qu'elles arrivent. Ah là, je crois d'avoir une chose qui va vous éclater. Keto, des recettes keto, mais qui sont parfaitement mangeables pour des gens qui n'observent pas du tout une diète cétogène, d'accord? Toutes mes recettes keto sont mangeables par tout le monde. Hein. Ça target une alimentation cétogène, parce que c'est ça l'alimentation que moi je suis. Mais par exemple, le mari qui n'est pas du tout dans keto, il mange, il se régale. Et c'est formidable, d'accord? C'est très équilibré, c'est bien élaboré, c'est délicieux, d'accord? Bref, pour revenir à l'avant-temps, ça, c'est un accessoire pour mon Instant Pot pour faire les légumes à la vapeur. Si je trouve une image, je vous montre ce que ça donne à l'écran. Eh bien, je suis ravie, je l'ai attrapé 3 francs 6 sous sur Amazon. Voilà. Comme je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à l'avoir attrapé, l'Instant Pot, le but étant, voilà, de ne pas avoir... voilà, j'ai mon Instant Pot, j'ai pas envie d'avoir à sortir en plus mon... Parce que j'utilisais un appareil pour les légumes à la vapeur, un appareil sur plusieurs étages de chez Philips, d'accord, mais c'est vrai qu'en taille il est ambitieux. Et puis là maintenant, si j'ai mon Instant Pot, j'ai pas nécessairement besoin de cet appareil, donc je m'en défais, je l'offre, voilà, on avance, d'accord. Donc voici pour cet ustensile, le saviez-vous? Je vais aller regarder un petit peu à gauche à droite ce qui existe pour s'il y a d'autres choses qui existent. Il se suffit à lui tout seul, hein, l'Instant Pot, mais par exemple pour les légumes à la vapeur, c'était pas possible, d'accord. Donc là voilà. Je suis ravie, j'ai hâte de l'utiliser. Donc je poursuis, et alors je poursuis avec... Ah oui, ça va être un cadeau, hein. C'est pas du tout pour moi. Donc est-ce que je peux l'ouvrir?
Ben, je vais l'ouvrir et je vais lui dire que je l'ai ouvert parce que je l'ai montré dans une vidéo pour mes sisters, d'accord? C'est avis à tous les procrastinateurs et procrastinatrices. You need this. Je vous ai déjà parlé de la nécessité, du pouvoir de verbaliser et d'écrire les choses. Ces deux choses-là sont fondamentales. Que vous soyez ou non procrastinateur, que vous soyez ou non un petit peu traîne la patte, d'accord? Mais alors, de surcroît, si vous avez tendance à tout reporter au lendemain, à vous retrouver, il faut que je sois au pied du mur pour faire les choses, et du coup je les fais dans l'urgence, je les fais pas bien, je suis frustrée, je suis... Moi j'ai des gens qui m'envoient des messages qui sont malheureux de cet état de fait, qui le subissent. Moi ça me fait de la peine, hein, je dis comment, parce que pour moi c'est conceptuel, vous le savez, d'accord? Et donc c'est ce produit que j'ai déjà offert, et qui a fait vraiment la révolution. J'allais dire un changement, mais en fait, c'est plus une révolution. Méthode 3, coffret M3 journal. Et si vous arrêtiez de tout remettre au lendemain? Les crapules, d'accord? Donc, mi-agenda, mi-coach personnel, le M3 journal booste votre productivité et votre motivation pour atteindre vos objectifs plus simplement. Donc, le moteur, c'est le fait, je l'ai dit, de prendre l'engagement. Prendre l'engagement est formalisé par le fait de l'écrire. De l'écrire, mais pas de l'écrire sur un bout de papier ou un post-it que je mets sur mon frigo, de l'écrire dans un journal. Parce que la régularité, la fierté qui découle de la régularité, le fait de regarder son journal et de se dire, ben ça, je m'étais fixé ça comme objectif, je l'ai tenu, je suis fière de moi, je suis contente de moi, ça, je m'auto-encourage. Vous avez saisi la philosophie du processus? La logique? Je m'auto... félicite, je m'auto-congratule, je n'ai pas besoin d'encouragement ni de félicitations de l'extérieur. A contrario, la culpabilité, je m'étais fixé cet objectif, je ne l'ai pas tenu, zut, d'accord, je suis pas bien, je me déçois, et bien ça c'est pareil, ça contribue de revenir un petit peu au niveau de la discipline. Donc c'est formidable. Ils expliquent tout, ils expliquent. C'est écrit en gros, ils expliquent, d'accord. Comment bien définir un objectif? Soyez smart. Que votre objectif soit personnel ou professionnel, il doit répondre à 5 critères spécifiques, mesurables, ambitieux. Êtes-vous heureux? Quel est votre métier? C'est très bien fait. Et donc ça c'est la méthodologie à observer, et ça c'est le journal lui-même. Donc déjà, esthétiquement, il est beau, c'est une belle couverture, d'accord? Il est croyant, c'est une couverture textile, on dirait du lin, il est bleu. Et les bogos, il n'existe pas différentes teintes, d'accord? Moi j'aurais préféré le noir, mais il est bleu, mais il est beau, d'accord? Et à l'intérieur, voici comment il est fait. Objectif de vie, des choses, le très court, moyen, long, très long terme, d'accord? Il est très bien. Les 3 tâches que je dois absolument accomplir. Le pessimiste dit je croirai quand je le verrai, l'optimiste dit je le verrai quand je le croirai. De Zig Ziglar, il y a des dictons, des mojos comme ça qui sont assez bien trouvés, etc. Je recommande absolument ce produit, je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Moi, ça fait très longtemps que je le connais, alors que la vérité, moi personnellement, moi Sabrina, je n'en ai pas besoin. Moi je suis un animal de motivation, de discipline, et Dieu bénisse, j'ai des tonnes de défauts, mais s'il y a une qualité que je suis contente d'avoir, c'est celle-là. Bon, il y en a d'autres, d'accord? Il y en a d'autres, avant celle-là. Mais c'est une qualité que je suis contente d'avoir, pas là où dire une chose. Donc je vais essayer de le remettre comme il faut, parce que je sais pas pour moi, je l'ai dit, c'est pour l'offrir. Et ça, c'est pas simplement une... C'est pas un défaut, d'accord, c'est un trait de personnalité, voilà, c'est un trait de personnalité, mais qui est dommage, voire dommageable, qui ne concerne pas que les jeunes, ça concerne tout le monde. Moi je vois des gens qui sont quinca, qui sont débordés par les choses. Comment? Donc, astreignez-vous à une discipline que vous n'avez pas naturellement, c'est possible. Je vous avais déjà présenté des boulettes, moi je vois des boulettes, des journaux bullettes là, c'est du marketing pur, ça sert à rien, le truc est mal fait. Le truc est mal fait, il n'y a plus de... pas de... Ça, c'est très bien fait. Il est vraiment très bien fait, c'est moi qui vous le recommande. Je l'offre à mes gens. Préfère vous dire une chose. Donc, je me devais de vous le partager. Donc, celui-ci, un outil unique pour arrêter de procrastiner et avancer. Programme de 3 mois, doper votre productivité. Accès au groupe privé, il existe un groupe. Atteignez vos objectifs, boostez votre motivation. C'est un produit qui a été partagé, là je le vois dans la presse, en parle dans West France, Les Échos, Le Figaro, Madame, Elle, et que les choses, etc. Un produit must, d'accord? Si vous l'attrapez et que vous le tenez,
faites-moi un feedback. Moi, j'aime votre retour. Moi, j'aime les retours de mes sisters et mes brothers qui me disent d'abord en premier lieu, qui me remercient et qui me disent, mais Sabrina, ça a un impact fulgurant dans ma vie de tous les jours, mais c'est ce que je veux, moi, pour vous, d'accord? Donc, je poursuis. Bon, là, c'est pas de la mode, mais c'est de la mode. Je me suis racheté mes leggings parce que je vais pas vous chercher mon legging. Le legging dont je vous ai parlé dans cette vidéo là, qui était le Let's Get Information du début de l'année, les bonnes résolutions santé. J'ai accroché le legging sur le banc de muscu et j'ai fait un trou sur la fesse droite. Je vous jure que c'est vrai. Peut-être que je vous montre. Je vais pas le chercher. Je vais le chercher ou pas? Attendez, je vais le chercher parce que je vous jure que c'est vrai. Ne bougez pas. Donc. Je suis de retour, voici mon legging. Vous le savez, je suis très particulière sur la question du legging pour aller à la salle. Parce qu'il y a des leggings que j'utilise ici chez moi, vous savez que je fais beaucoup de sport chez moi. Quelquefois mon HIIT parce que j'ai pas le temps d'aller à la salle. Mais majoritairement mon yoga, mes pilates, c'est ici que ça se dance, d'accord? Donc je peux porter ici je suis moins regardante sur ce que j'utilise à la maison, sur ce que je porte à la maison, parce que par définition c'est chez moi, d'accord? En revanche, et à contrario, ce que j'utilise à la salle, moi je suis, faut pas rigoler avec ça, parce que la transparence, je n'ai pas le temps pour ça, d'accord? Donc la transparence, c'est le premier souci. Deuxième chose, j'ai besoin qu'ils tiennent, qu'ils me tiennent la taille. Troisième chose, je suis grande, j'ai besoin qu'ils soient longs. Moi, je ne suis pas nécessairement pour un legging qui s'arrête au mollet. J'aime un legging qui va chercher ma cheville, d'accord? J'aime un legging de qualité, qui vieillisse bien, etc. Et je l'ai dit, le meilleur au monde dans l'histoire de l'humanité, sans coûter les 350 € d'un legging Nike, d'accord? C'est cette marque 90 Degrees, qui est cette marque que je vous avais recommandée donc, dans cette vidéo « Let's Get Information ». Le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas lui qui m'a lâché. Je l'ai accroché sur un appareil de muscu. Parce que quand je suis à la salle, je mets un truc autour de la taille, d'accord? Mais quand je suis assise, c'est le fessier qui est assis directement. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit oui à la salle. Ils m'ont dit oui, est-ce que vous voulez un remboursement? J'ai dit non, c'est pas un remboursement. Mais si mon legging il s'accrochait, une personne peut se blesser. Et alors, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est l'arrière. D'accord? Et voici. Il n'y a plus de 6 ans, vous voyez mon dos ou pas? Je sais pas si il y a un trou, je suis pas bien. Si je mets l'auriculaire, il va passer dedans, je pense. Est-ce que vous voyez mon doigt là? Vous voyez mon doigt là? C'est mon ongle. J'ai dit mais pourquoi? Why? Je suis triste, alors que franchement ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. Quand je l'avais acheté, je vous l'avais partagé, donc quantifier la durée, je ne sais pas. Le problème, c'est quoi? Quand j'ai voulu le racheter, parce que moi, c'est lui et pas un autre. Hein. Il est taille haute, il me tient bien, il est formidable, il est galbant. Mais sans pour autant, c'est comme une seconde peau, mais une seconde peau intelligente, d'accord? Quand j'ai voulu le racheter, j'ai dit ça, tu vas voir que c'est les coquines, ce sont les sisters. Je n'ai trouvé sur Amazon France que lui, c'est-à-dire la version, justement, qui s'arrête au mollet, contre laquelle je n'ai rien, que je possède également, que j'utilise généralement en été quand c'est caniculaire. Moi, quand c'est caniculaire, je vais à la salle. Quand c'est caniculaire, je l'utilise beaucoup, mais là, les 3/4 du temps, tout le reste de l'année, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Et d'habitude, je l'attrape sur Amazon France. Mais là, il n'y en a plus. Donc, je ne sais pas vraiment. Je n'ai aucun moyen de vérifier que c'est réellement à cause de vous, mais je pense que c'est à cause de vous. Auquel cas, ça atténue un petit peu ma peine. Je l'ai attrapé sur l'Amazon US. Et j'en ai acheté du coup 2. Je sais pas si vous voyez là. J'en ai acheté 2. Donc moi je prends le L. Full length. Combine le style, le confort, contrôle du ventre. Et la performance tout en un. Il a une technologie pour réguler l'humidité. C'est très bien parce que moi quand j'y vais, j'y vais. Il est stretch, taille haute. Bonne compression, les choses. Parce que c'est le dessin qui explique tout. Il est formidable. Donc j'en ai acheté 2. Vous reconnaissez le logo là? J'en ai acheté deux. Amazon.com. N'ayez pas peur de commander sur les autres Amazon. Je l'ai déjà dit, je le répète depuis des années. Il y a des tonnes de choses. Si j'étais limitée à notre Amazon à nous, il y a des tonnes de choses que je pourrais pas, je n'aurais pas, d'accord? Les frais de port, je pense que c'était 5 ou 6 dollars, 102 dollars. Et il est arrivé à moins d'une semaine, j'étais choquée. Donc, ils sont arrivés à moins d'une semaine, j'étais choquée. Donc, voici. Pour mes deux leggings 90 Degrees qui, je l'ai dit, sont les meilleurs. Chut, chut,
Je n'ai pas besoin de parler. Parce que regardez voir. Opacité totale. Totale. Il n'est pas exclu quelquefois je le porte dans la société, dans la vraie vie, d'accord, dans la société civile. Ça vous fait rire quand je dis ça. C'est une déformation pro. Donc voici pour ce partage de la vraie vie des choses. Toujours dans la veine sportive. J'en ai déjà, donc je suis très contente. Mais quand j'ai vu cela, c'est une nana qui les utilisait à la salle. Je suis pas la seule à utiliser à la salle des choses que je possède. Ma corde, c'est la mienne. Y a les sangles sur les chevilles, ce sont les miennes. Y a des choses que j'utilise, d'accord. Les résistances bandes, ce sont les miennes. Les élastiques de résistance, ce sont les miens, d'accord. Donc j'en ai des tonnes, je vous les remets en barre d'infos, je vous les avais déjà partagés, ils sont très bons. Parce que là, c'est pareil que le legging, il faut être... Moi, je suis très exigeante, je ne suis pas là, j'ai pas le temps que l'élastique me remonte ou me coupe le sang. Tous les élastiques, toutes les bandes de résistance ne se valent pas, d'accord. Et je vois cette nana, je dis, excuse me, what you about? Ces bandes de résistance, elles avaient l'air au top. Pas de... Vous savez, quand ça sourle, quand ça se remonte sur la... Je n'ai pas le temps pour ça, moi, je veux qu'elles restent en place. Je veux qu'elles restent en place, d'accord. Et elle m'a dit, oui, mais c'est Decathlon, je ne les ai même pas encore ouvertes. Donc, j'ai pris les trois. Light, moyen, light, medium et strong. Donc, résistance légère, moyenne et forte. Et donc, excuse me. Vous voyez ou pas? Oh, glutes band, bande de fessiers. Bon, ben c'est pas que pour le fessier, d'accord. Mais c'est principalement pour le fessier. Moi, j'utilise ça tout le temps. Même quand je suis sur le cadre guidé. Vous savez le cadre guidé pour mes squats, j'ai bien sûr, je sais. Là, c'est la résistance moyenne. Donc là, c'était light. Là, c'est medium. Et la strong. Oh, esthétiquement, elles sont au max. Et Décathlon. Décathlon à fond la forme. Oh, c'est ça leur slogan, non? Ça, c'est la résistance forte. Tu vois, c'est un peu macho parce que sur la résistance hard, ils ont mis un monsieur. Alors que sur les autres, ils ont mis des femmes. Bon, Décathlon. J'ai noté. Mais indépendamment de ça, elles sont super. Vous voyez? Elles sont complètement différentes de ce que je possède jusqu'alors. Je pense que ce sont les meilleures que je possède. Alors. Et le prix, c'était une blague, franchement. Donc je vous en ferai une revue une fois que j'aurai commencé à les utiliser. Mais là au premier coup d'œil je vois avec force évidence que c'est de la bombe. Waouh. Donc merci à cette jeune femme qui m'a autorisé à l'espionner et qui m'a dit non mais c'est Décathlon, c'est marqué dessus, d'accord. Et ben écoutez, c'est la vie. Je suis ravie, je les découvre en même temps que vous et je suis ravie de vous les partager. Franchement il n'y a pas beaucoup de choses à avoir si vous faites du sport à la maison. Mais le tapis c'est obligatoire. Des haltères, je recommande, voire des kettlebells, d'accord, les kettlebells. Les ballons, la gym ball, c'est nécessaire. Donc, petit à petit, franchement, la corde, une corde. Tout ceci n'est pas très cher. Je sais, représente un budget tout cumulé, mais franchement, pour moi, ce sont des indispensables, c'est vital. Donc, les bandes de résistance font partie, franchement, pour moi, de l'équipement minimum à avoir à la maison, d'accord. Et dans le même temps, si vous avez ça, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller à la salle. Hein. Vous pouvez tout faire à la maison, hein, bien sûr. Même sur une petite surface, même en ayant un emploi du temps chargé, même en ayant des pichou minus, des bébés, des mignons, vous pouvez, you can if you want. D'accord. Donc voici ces bandes de résistance que je suis ravie d'avoir attrapées. Je poursuis avec quelque chose que j'attends depuis des mois, là encore, dont je vous ai fait le teasing dans ma vidéo lifestyle de la première édition. Je vous ai récemment partagé elle en Insta Story, qui est mon horloge, ma petite horloge qui est sur le Vanity, de chez L'Oberon, qui est une marque extraordinaire qui fait des trucs magiques, d'accord. Qui est également à l'origine de mes bonbonnes, les bonbonnes qui sont sur la cheminée là. Et je vous avais expliqué que j'étais tombée folle amoureuse d'une ménagère de couvert. Donc je les avais achetées, mais ils ont mis 1000 ans à arriver, mais ils sont enfin arrivés et les voici. Donc, vous le savez, j'ai acheté uniquement un couteau, une fourchette, une cuillère à soupe, fourchette à dessert, cuillère à café. 5 couverts, d'accord. Pour 40€, 40 ou 50€. Bon, c'était cher, d'accord. 39€ me semble-t-il. D'accord. Il me semble que c'était 39€ et ils sont arrivés. J'espérais de tout cœur ne pas les aimer parce que les aimer veut dire acheter encore 5-7 supplémentaires pour faire 6 fourchettes, 6 couteaux, 6. Vous avez suivi, d'accord. Et malheureusement, je les adore. Ils sont là. Ils sont crèmes. Personne ne s'extasie comme ça pour les couverts, d'accord, à part moi. Mais la vérité, ils sont au max. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la beauté. La fourchette. Je la mets sur moi, vous la voyez ou pas?
la fourchette. Et j'aime, ils sont lourds comme ça. C'est un laiton, c'est du laiton. Me semble-t-il. La fourchette. La cuillère à soupe. Le couteau. Le couteau. C'est chez des gringos. La cuillère à café et la fourchette à dessert. Donc je vous mets la... je vous les mets sur l'écran, ce sera peut-être plus parlant. Mais les filles, je préfère vous dire un truc, je vais guetter les soldes. Je vais guetter parce que moi maintenant je reçois le catalogue à la maison, il y a souvent des offres, etc. Les frais de port aussi sont méchants, donc moi je préfère les acheter sur Amazon plutôt que sur le website lui-même. Parce que les frais de port sur Amazon régulièrement sont gratuits, c'est Prime, ça arrive le lendemain. Les frais de port sur l'Oberon, c'est je crois 9,99€, c'est très cher. Moi j'ai pas l'habitude de ces frais de port, je pense que ça vient de Deutschland, parce que je pense que c'est une marque allemande. Je pense vraiment que c'est une marque allemande, l'Oberon Coming Home, d'accord. Mais 9,99€ pour un colis, même si ça part d'Allemagne, pour moi c'est intolérant. J'achète des choses des États-Unis, je paye des fois 4$, 5$ de frais de port, ça vient des États-Unis. Le 10€ de frais de port pour un truc qui est dans la zone euro, j'ai un peu du mal avec à appréhender la notion. Je suis pas d'accord, je l'inscris en faux décor et je résiste et je lutte. Donc je vais sur Amazon. Mais la ménagère est au max. Je suis bien. On en a... Vous connaissez mon amour pour les cuillères. Je sais que c'est pas normal. Et j'adore. Je... tout excité comme ça. Ils sont beaux. Je sais pas. J'aime. J'aime, je me vois faire des choses, tartiner. J'aime. Ils sont beaux. Je vous parlais récemment de la ménagère Vivo, là, qui vous a beaucoup plu. Vivo, donc, qui est une marque du groupe Villeroy et Bord. Ma ménagère, là, je vous la remets en barre d'infos. Vous êtes nombreuses à l'avoir attrapée. À me dire, Sabrina, grâce à toi, je refais... vous avez attrapé les couteaux pendant le gift guide. Et vous êtes tous et toutes très heureux de ces couteaux qui sont au max. Je ne vous partage pas des choses nazes. Je n'ai pas le temps pour ça. Le médiocre est à peu près, je n'ai pas le temps. Je veux du top, mais pas nécessairement au prix du top, d'accord? Donc là, j'avoue, c'est cher. Mais je vais guetter parce que je veux évidemment le service de 6 de chaque. Hein. Je préfère vous dire une chose. Je vous l'ai dit, j'espérais ne pas les aimer, mais je les aime infiniment. Je vous les ai partagés en Instastory, pour celles et ceux qui suivent mes Instastories. Je les remets ici, mais je suis absolument ravie. Je vous avais promis de vous les présenter, c'est chose faite. Donc, je poursuis avec un petit quelque chose de déco. Pour le background de mes vidéos chit-chat, vous savez que pour mes vidéos chit-chat, je filme sur Winston, qui est mon fauteuil Chesterfield. C'est une mouche qui ne veut pas me laisser. Comment? C'est une mouche bizarre. Il y a déjà des mouches au mois de mars? C'était un hiver exceptionnellement doux, hein. C'est inquiétant. Moi, je suis pas... j'ai vu des cerisiers en fleurs. Hein. J'ai dit pardon, est-ce que c'est un cerisier? J'ai mis la lunette, j'ai dit mais comment? Ça n'est pas de très bon augure. Hein. Donc pour revenir à l'avant, oui, un petit peu de déco, je le disais. La cheminée, je cherchais quelque chose pour compléter la cheminée. Qui est donc le... je ne sais pas si vous la voyez la mouche. Si vous ne la voyez pas, j'ai l'air folle. Mais elle sait que je filme, elle vient comme ça. Vous la voyez ou pas? Bref. Je pense qu'elle est attirée par les lumières. Ça va me perturber, bref. La cheminée, je voulais compléter un peu le quelque chose qui est déjà pas mal garni, d'accord. J'avais très envie, vous savez, de ces cloches en verre dans lesquelles on met des petites guirlandes lumineuses. Et bien, j'ai tout trouvé très peu cher. Alors, attendez, j'attrape. Vous êtes toujours là ou pas? Voici la cloche. Et à l'intérieur se trouvent donc mes guirlandes lumineuses. Tout est acheté séparément. Hein. Donc la cloche vient de chez Nature et Découverte, mais je l'ai achetée chez La Redoute. Elle était moins chère sur La Redoute que chez Nature et Découverte. Mais déjà au départ, il me semble que c'est 20€. Hein. Et moi, je l'ai payé, je crois, 11 ou 14€. Enfin bref. Et les guirlandes de lumineuses que j'ai attrapées sur Amazon. Donc ce sont des boîtiers à piles, hein, d'accord. Je vais les allumer. Vous voyez ou pas? Et la dernière. Vous voyez rien, si? Faudrait que j'éteigne tout pour que vous voyez correctement. Mais franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Socle bois foncé. Elle est de hauteur ambitieuse. Je la trouve géniale. Donc je vous mets là à l'écran ce que ça donne. Parce que là, je me rends compte dans le retour de ma caméra que vous ne voyez pas réellement ce que ça donne. C'est très beau. Franchement, c'est très très beau. Un joli petit élément de déco. Si vous avez vu mon salon, dans le vélo qui est dans mon salon, vous savez que j'aime une guirlande lumineuse. Ben déjà, il suffit de regarder derrière moi là tout de suite.
J'aime une guirlande lumineuse. Je trouve que ça fait un petit look. C'est un petit, une petite touch comme ça de lumière. Et sur la cheminée là, c'est très joli dans notre studio. Donc voici pour cet élément de déco que je voulais vous partager. Je la repose à sa place délicatement et je vous retrouve. A tout de suite. Et donc je poursuis et en parlant de la redoute. J'ai craqué sur... parce que maintenant moi je reçois les pubs de la redoute sur Instagram, sur mon téléphone. Quand je suis sur Instagram, d'accord. Donc... pour ce qui est du linge de lit, là encore je suis très exigeante et c'est très spécifique. Je l'ai déjà dit et ça m'a ravie quand je l'ai dit parce que vous êtes nombreuses à l'avoir compris. J'aime un drap croustillant. J'aime pas les draps doudou, pilou, chaud. J'aime un drap croustillant, crispy, frais sur moi comme ça. D'accord ? Ma housse de couette, mon drap housse, l'été de mes oreillers, j'ai... d'accord ? Donc, je suis très fidèle à Bouchara depuis des années, cette collection chez Bouchara. Donc, le satin de coton rayé, je les ai quasiment toutes. Le blanc, le bleu, bleu pétrole, comme ça, bleu foncé. C'est presque un marine, pardon, c'est pas un pétrole. Le blanc, le gris, tu es crânaire, je les aime. Je les aime, d'accord. Et j'y suis fidèle, j'ai plusieurs parures. Je les utilise toute l'année en fonction de la saison, de mon envie, etc. D'accord. Et là, j'ai craqué sur cette parure chez La Redoute, que j'ai pas encore ouverte. Je l'ai trouvée très mignonne. Je l'ai trouvée très mignonne. Donc, voici la housse de couette. Donc, moi, ma couette, c'est méga format. Mon lit est un super king. Donc, 260 sur 240. Voici ce que ça donne. Je vais la mettre à la machine illico. Voici ce que donne la housse de couette. Et là, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que c'est blanc, d'accord. Mais voici à l'écran ce que donne cette parure. Elle existe également dans le gris. Et là, il y avait les discounts chez La Redoute. Oh, j'en ai profité. C'est parce que c'est le blanc, d'accord. Au mois de mars, c'est le blanc. Tout le monde fait le blanc. Bouchara aussi fait le blanc. Bon, j'avoue, j'ai acheté encore du linge de lit chez Bouchara, d'accord. Mais pour la chambre d'amis, pour aller avec la couverture. J'ai acheté ça chez Bouchara. Voilà, c'est toujours du satin de coton, mais ce ne sont pas les rayures, c'est des espèces de carrés et abondance. Bon. Et là, j'ai pris cette couleur-là, le beige, hein, mais il y a un beau cuivre, il y a des couleurs de folie. Moi, chez Bouchara, c'est dangereux, Bouchara. Bouchara, c'est presque mon Zara, mais pour la maison, en termes de je dépense, d'accord. Mais tout est formidable. Bon. Et voici l'été d'oreiller. Donc, bon, vous savez que j'aime un oreiller 50 sur 70, hein. Voilà, magnifique. Donc, vous avez vu la photo de la parure à l'écran. Elle est magnifique et je l'ai dit, elle existe dans le gris. La redoute intérieure. Et ça s'appelle origami. Ben, ça fait du sens, d'accord. Donc, la parure origami chez La Redoute. Je cherche le... Oui, parce que j'ai acheté aussi pour les oreillers 63 sur 63. Un très beau coton. Respirant, léger, croustillant. D'accord. Personne n'a jamais utilisé le qualificatif de croustillant pour parler de coton. C'est crispy. D'accord. Je sais que vous me suivez. Moi, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Je suis bien. Donc, voici pour cette parure que je voulais vous partager, les filles, les choses de la vraie vie, pour les gens de la vraie vie. Je poursuis avec quoi? Je vais poursuivre avec ça. De la même manière que je viens de vous montrer un ustensile pour mon Instant Pot, pour dédier à la vapeur, les légumes à la vapeur, je me suis attrapée un autre ustensile pour un autre de mes alliés. Vous savez que moi, je suis équipée dans ma cuisine, Dieu bénisse, j'ai beaucoup de chance. J'ai toutes les machines nécessaires et indispensables. Après, ça veut dire une chose. Vous savez que je suis une fervente utilisatrice du air fryer. Lui, là, c'est mon bébé de la vie, je l'aime pour toujours et à jamais, d'accord. Eh bien, figurez-vous que je lui ai attrapé, c'est une machine de chez Philips, hein. Figurez-vous que je lui ai attrapé ceci que je n'avais pas et qui fait tellement du sens, j'en avais besoin en fait. C'est comme si j'avais espéré que ça existe et Philips l'a fait. Je ne sais pas si c'est nouveau chez Philips ou si c'est moi qui le découvre maintenant seulement. Mais ce truc fait tellement du sens. C'est un grill. Un grill. On dirait une folle. En plus, j'ai une mèche qui essaie de m'assassiner. C'est bizarre, non? Un grill pour mon air fryer. Vous voyez ici ou pas? Ça, c'est le air fryer ici, là. Vous le voyez? Vous connaissez le air fryer, la friteuse sans gras. D'accord? Sans huile. Ou avec une cuillère, d'accord, une cuillère à café. Et bien là, c'est un grill. Oh, excuse me, je suis trop excitée.
Qu'est-ce que c'est, le carton bizarre maintenant? Attendez, j'enlève le carton. Ah, c'était un emballage technique et très imposant. Et donc voici, hein, avant de me défaire de la boîte, grill pan for your air fryer. Et vous voyez, là ce sont des gambas, là c'est un filet, un blanc de poulet grillé à l'intérieur du air fryer. Donc le air fryer, en plus de son intérêt sur le plan nutritionnel, c'est intéressant aussi sur le plan de la praticité. Parce que moi par exemple, là en ce moment, depuis que je les ai découverts, je ne les lâche plus. Les Beyond Meat, les steaks et les saucisses de Beyond Meat, eux là, je les fais saisir sur le grill, sur le feu, d'accord? Mais ce que ça dégage, ce que ça génère, donc j'ai une bonne hotte, etc. Mais quand même, ça ne me dispense pas d'ouvrir les fenêtres. Quand ça se passe dans le air fryer, c'est tellement plus simple. Le air fryer, il a un système de ventilation, il absorbe les... C'est formidable. Et bien donc là, je vais pouvoir griller mes trucs. Mes dents, mes viandes, mes saucisses, mes choses, même la vraie viande, hein, mais dans le air fryer. La vie. Je suis trop excitée, là en plus c'est pas normal. Je suis bien, ouais non, c'est vraiment un revêtement, le revêtement grill. Incroyable, pour le air fryer. Franchement c'était tellement évident, je sais vraiment pas si c'est nouveau. Hein. Que dit la boîte? Ah bah c'est trop loin maintenant, mais moi en tous les cas je le découvre seulement maintenant. Alors que mon air fryer, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que je l'ai. Peut-être un peu plus. C'est la même machine, immortelle. Et je m'en sers, je préfère vous dire tout. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'utilise mon air fryer. Je fais des tonnes de choses à l'intérieur. Le soup maker, le air fryer, le blend. Toutes ces machines-là, moi, c'est pas pour l'esthétique. Je m'en sers. Donc voilà, sans changer la bête elle-même, je l'update avec les nouveaux accessoires. Donc voici pour ce... Là, je suis ravie de ça. Toujours dans l'univers de la cuisine. Et là, franchement, j'avoue, parce que j'avoue, d'accord. Ça fait très longtemps que j'ai envie de cette machine. Je me suis toujours gardée de l'acheter. La raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté, c'est parce que je possède son équivalent, d'accord, que j'aime infiniment, que je vous partage régulièrement en Insta Story si vous regardez les recettes de Bibi Maïté en Insta Story, que je vous ai partagé récemment pour ma crème dessert. Mes Insta Story de cooking, elles sont en story permanente. Hein. Les highlights là, sur mon profil Instagram. Mon Instagram est juste ici. Abonnez-vous, parce que sinon vous loupez énormément de choses, vous pouvez avoir un truc. Donc j'ai cet appareil, il est question de mon blender. Donc moi, j'ai lui le monstre, qui est génial, donc j'ai pas rapporté sa base, mais c'est le blender Philips, ensemble avec Magimix, donc lui là, je vous le mets là à l'écran, vous le connaissez, d'accord. La raison pour laquelle j'avais envie de ce que j'ai acheté ici, c'est que moi je fais très souvent des smoothies, mais que pour moi. Ou par exemple une crème dessert, voilà j'ai un avocat que je veux pas gâcher, hein. Quelquefois, je n'ai pas besoin de l'énorme bête, qui est mon blender d'amour que j'aime pour la vie. Mais vous voyez là, il est lourd, c'est du verre. Il est lourd, il est gros, il est imposant, il faut le laver, nanana. Quelquefois, j'ai juste envie voilà, de faire un shake avec mon collagène, mes trucs, ma MCT oil, un peu de que le comment, une poignée de graines de chia. J'ai pas nécessairement envie d'aller chercher tous les bazars. Et ben, ça fait des années que je me retiens d'attraper le Nutribullette. Et là, j'ai décidé de l'attraper. Télé le Nutribullette. C'est ce que je disais, c'était un unboxing, je l'ai pas ouvert. Donc, je suis absolument ravie. J'ai réussi à l'attraper avec un prix intéressant, donc je me suis dit, ouais, ce serait bête de pas l'attraper. Donc, je l'ouvre, parce que là, je l'ai dit, il est tout neuf. Je l'ouvre et je vous le présente. Il existe différentes... sortes, différentes puissances. Bon, il existe évidemment différentes couleurs, différents designs, mais il existe différentes puissances. Moi, j'ai pris le plus méchant parce que je n'ai pas le temps. Et puis, l'écart de prix entre les puissances n'était pas tellement énorme, donc j'ai dit ok, autant aller directement. Alors, attendez, parce qu'il y a le livre. Ah là 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 là, votre partenaire pour une alimentation plus équilibrée au quotidien. Donc, attendez, je le mets au sol et j'attrape la machine. Ah là là, c'est trop excitant! Ah là là, excuse me, le voici. Ah, je suis contente. Ah, je suis contente. Donc, j'ai pris évidemment, aucune surprise, hein, là, encore si vous me connaissez, j'ai pris le noir. Il existe même un rose, rose gold, je vous le mets à l'écran. Il y a le rouge, il y a l'argenté, que sais-je. Moi, je voulais le noir, hein, parce que pour moi, ça fait vraiment du sens qu'il soit noir, toutes mes machines le sont. Voici. Donc, ça, c'est la base.
Donc celui que j'ai pris, moi, c'est le plus puissant. Donc le 1100 watts, 1200 watts, je sais plus. Je vous attache le mien en barre d'infos, d'accord. Et alors, il vient avec deux shakers différents, deux tailles différentes. Le premier, le voici. Vous le voyez? Oh, c'est beau. Hein. Excuse me. Quand c'est monté, ça donne ça. Parce que là, la fête se passe sur mes genoux. Hein. Vous voyez ou pas? Excuse me. Et le deuxième shaker, le voici. Waouh. C'est incroyable. Moi, là, je suis ravie. Je suis au max. Là, ça s'ouvre, je peux mettre mes ingrédients. C'est formidable. Et donc, non seulement il est plus petit, plus léger, plus facile à nettoyer, mais je peux, une fois que j'ai shaké et j'ai fait mon shake, hop, je bois directement dedans, bien sûr. Formidable. Il y a trois shakers, les deux que je viens de vous montrer ici. Et le dernier, et franchement c'est celui que je vais probablement utiliser le plus, c'est lui. Hop, mon truc individuel, je suis la seule. Poignée de fruits rouges surgelés, une canette de lait de coco, une goutte d'MCT oil en liquide, une scoop de ma collagen powder, deux ou trois gouttes de stevia ou d'arôme vanille, et j'ai le shake Showmax, je le passe sous l'eau, c'est vite lavé ça. Ce n'est pas mon bien-aimé là qui est un monstre de verre, très lourd, très machin. Là, c'est rapide et efficace et perspicace. J'ai pas le temps de prendre mon shake à la maison. Je le fais à la dernière minute avant de sortir et je l'embarque avec moi dans la voiture ou dans les transports. Je zone. J'ai mon truc, bien sûr. Parce que moi, vous savez que je n'ai pas la chouma, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je zone avec ça, bien sûr. Ou alors, je le veux après ma séance de sport. Je le mixe juste avant de partir. À la salle, ils sont gentils, ils me gardent des fois des trucs au frigo. Je le garde à la gym. Hop, j'ai fini ma séance. En sortant, le chemin pour entrer à la maison. Je me fais le petit shake, bien sûr. Et alors j'ai tous les couvercles. Tous les couvercles, il y a les scoops, et tous les accessoires, il y a des choses, je ne sais même pas ce que c'est. Tu vois par exemple ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder le mode d'emploi. Mais Nutribullet, il est très connu, les États-Unis, c'est américain. Les États-Unis, ils utilisent ça depuis Mathusalem. Franchement, c'est moderne. Nutribullet. Après, vous avez une chose. Vous les connaissez, les Nutribullet. Vous l'avez probablement même déjà à la maison, oui. Moi, c'est pas que je suis en retard à la fête, d'accord. C'est que j'avais le Magimix et donc je me disais, tu peux pas justifier l'achat du Nutribullet. Mais là, j'ai attrapé un bon prix. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai pris. J'ai dit, ok, ça fait des années que j'en ai envie. Ça va me faciliter la vie. Moi, tout ce qui peut me faciliter la vie, qui me fait gagner du temps. Vous savez que je suis dans l'optimisation du temps. Voilà, c'est le temps que je gagne là, 10 minutes là, 20 minutes là, 15 minutes là, 5 minutes là, c'est autant de temps que je peux passer à faire autre chose. Vous avez saisi ça? Donc, il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Je peux vous dire, c'est pour nettoyer, c'est complet de ouf. Et ça c'est quoi? C'est encore la documentation? C'est recette, hein? Ah, guide d'utilisation. Oh, tu vois, ils font des soupes pour les bébés. Les mamounes, les mamounettes là qui fêtent les purées pour les... Bon, probablement vous avez déjà une machine, d'accord. Ben, si c'est pas le cas, voilà. Les légumes, les machins, la purée ou les compotes ou que les commandes, bien sûr. Donc c'est formidable. Moi je suis ravie, je suis ravie. Donc voici pour ce partage des choses. Après, je vais aller au recyclage, je vais faire 4 allers-retours. Deux dernières machines que je voulais vous partager. Et il y en a une qui devrait vous ravir. On va passer un petit moment de dégustation ensemble. Donc je fais un tout petit peu de vide autour de moi, parce que là c'est nécessaire. Et je vous retrouve donc avec les deux derniers partages pratiques de cette vidéo. A tout de suite. Je suis de retour les filles et les garçons pour donc la dernière ligne droite de cette vidéo, et je vous raconte pas. Là je suis sortie parce qu'il se faisait tard, je suis sortie pour aller sortir les cartons, le recyclage. Entre temps je me suis tachée, les choses, la gouffa devient incontrôlable. Mais dans la joie et la bonne humeur, on poursuit sur notre lancée. Je le disais, deux trésors, je commence par celui-ci. C'est quelque chose qui pour moi, moi particulièrement, est indispensable. Parce que vous le savez, je suis maniaque et tout bibi, mais il y a un truc que je n'aime pas, c'est le repassage. C'est pas que je n'aime pas ça, c'est que je le vois vraiment comme une pure perte de temps.
pure perte de temps. Je ne repasse que ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Si je dois porter un chemisier, là je vais le repasser, d'accord? Et encore à ce moment-là, je n'aime pas le principe de la table à repasser avec le fer. J'ai une belle centrale vapeur, j'ai de la chance. J'ai une belle centrale vapeur, j'ai également ce monstre-là de chez Calor. Mais ça, c'est plus le mari qui s'en sert, d'accord? Parce que c'est bien pour les camises, les costards, etc. Moi, l'outil dont je me sers, c'est lui. Je l'aime beaucoup et là je l'offre, donc c'est pareil, je vais l'ouvrir, mais la personne sait que je vous l'aurai partagé en vidéo. Ça, ça fait partie des choses que dont je vous parle. Les gens viennent chez moi et me disent waouh, c'est super, ça c'est quoi et tout, ou alors Sabrina, toi qui as une solution pour tout, comment est-ce que tu fais pour le repassage? Je dis mais moi je ne fais pas le repassage, je fais le steam one. Donc voici celui que je vais offrir, c'est exactement celui que moi j'ai, c'est à dire le top. Voici la boîte. Ah, j'y arrive pas, attendez. Tadam ! Steam One. Dans une grande diapositive, c'est lourd. Le Steam One, donc la vapeur. Bien sûr. Et ça, c'est génial pour tout. Particulièrement pour les delicate garments, les robes, les tops, la soie, les textiles délicats, les choses où on y va à reculons lorsqu'il est question d'un fer à repasser. C'est tellement rapide. Le vêtement est sur son cintre, il est debout. Vous voyez les gens qui font les vitrines, les merchandisers là, ou je sais pas comment on appelle ça, les gens qui font les vitrines dans les magasins de vêtements, ils se servent évidemment beaucoup du Steam One. Donc High Performance Garment Steamers. Donc je le sors de sa boîte et je vous le montre, ne quittez pas. Donc le Steam One, déjà première chose, cocorico, c'est made in France. Voici la bête. Bon, c'est très lourd, hein, je me lève. Voici la bête, vous voyez. Vous savez comment ça fonctionne. Je vous la mets là à l'écran. Ça fait ma taille. Hein. Les choses. La magie opère grâce à ceci. Bon, ça, je vais pas nécessairement tout ouvrir parce que je l'ai dit, c'est pour offrir. Le machin, les choses. Il y a 1 milliard d'accessoires. C'est un truc hyper complet. Hein. Le cintre pour accrocher la chose. Tous les pantalons, hein. Tout est pensé pour vraiment l'appareil le plus complet possible. Et alors, première chose, le gain de temps. Évidemment, j'utilise de l'eau déminéralisée, comme pour votre centrale vapeur ou votre fer à repasser. Le gain de temps, mais surtout, la perfection du résultat. Zéro pli et autre intérêt, je l'ai dit, les textiles délicats. Moi j'ai par exemple les satins, les soies, les choses qui froissent, un qui froisse de folie et deux qui, tu fais ce côté, admettons à la planche à repasser là, avec le, tu fais ce côté, c'est parfait, le temps que tu retournes tout est défait. Moi je n'ai pas le temps pour ça, je déteste ça, c'est une vraie perte de temps. Donc le Steam One, une évidence. Steam One, le bon geste. Steam One, bonjour si vous passez par là. Tendez le tissu et appliquez fortement la tête de diffusion sur le vêtement pour un résultat optimal. Et alors tout. Tout, je m'en sers aussi beaucoup pour... j'ai des petites astuces parce qu'on est des gens de la vraie vie. Parce que moi, vous savez que je suis une nana de la vraie vie. Je n'ai aucun tabou, je n'ai pas de tabou. J'ai appris cette technique, la technique qu'ils utilisent dans les pressings pour la sueur. Vous savez, les vestes, ben, le mari, là, les costards et même moi, mes blazers, etc. Que je passe, par définition, que je ne passe pas à la machine, d'accord? Mais quid des odeurs de transpiration? Eh bien, j'ai un... Peut-être que si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir, je vous partagerai l'astuce en Insta Story. Mais bien sûr, la transpiration, bien sûr, comment on s'en débarrasse? Sur les textiles qu'il faut laver à sec, qui vont au nettoyage à sec, d'accord? Eh bien, le Steam One, c'est un allié aussi dans ça. C'est ce que je vous dis, la praticité des choses de la vraie vie. Donc, voici pour le Steam One. Je vais le remettre, il est beau. Hein. Bon, le mien, il est identique, d'accord? Mais là, comme il est tout neuf, il y a les cellophones et tout, il est crâné, on la réserve. La réserve. Le bouton, rien que le bouton on-off, il est au top. Fabriqué en France. Made in France, c'est formidable. Donc, et le petit quelque chose. Je vais tout bien remettre dans le carton. Et alors, la dernière machina que je voulais vous partager. Bon, là, c'est un kiff dont j'avais envie. Et je ne suis pas la seule.
Donc nous avions envie, depuis un moment, qui est directement lié à l'acquisition récente d'un système de son, en fait. Moi, je ne regarde jamais la télévision, en revanche, j'aime regarder des films. Ou j'aime regarder les documentaires sur le grand écran. Et donc là, maintenant, on a le système de son qui fait que c'est incroyable. Et donc, j'avais très envie, Sabrina la gourmande, toujours, de ceci, qui est une machine à pop-corn. Ah! J'en avais très envie. Et donc, vous le voyez, elle est scellée, elle est scellée. Et bien, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Et les filles et les garçons, vous savez pas quoi? J'ai acheté du maïs. Vous savez cette marque, la BioJoy, ma marque de tous mes oléagineux là, les noix de pécan, les noix de cajou, les amandes, les noix, les graines de courge. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes, je vous en remets quelques-unes en barre d'infos si ça vous intéresse. Ils se vendent par le kilo. Et c'est bio, d'accord? Et bien j'ai acheté maïs pour ça. Et le popcorn, c'est autorisé dans Quito, parce que ça peut paraître étrange, mais bien accommodé avec du ghee fondu. Des épices, barbecue, des choses et tout, c'est ok pour un, c'est considéré comme un snack compatible keto. Andor! J'ai dit, écoute, je vais pas me priver. Est-ce qu'on fait du pop-corn? Est-ce qu'on fait du pop-corn ensemble, les filles et les garçons? Oui, hein. Ah! Ah! Tenez! Incroyable! Elle est mignonne et rétro comme ça. Je la trouve bien. Old fashioned popcorn carnival. Je vais la brancher, je vais la brancher, je vais la multiprise. Ma fameuse multiprise qui imite le parquet. Je vous la remets en barre d'infos. Oh, écoute, tu sais pas, je branche et je reviens, là, tout de suite. Les filles et les garçons, je suis toute excitée. J'ai pris quelques minutes là pour lire les instructions d'une part et passer un chiffon humide quand même pour un petit peu nettoyer la machine. Donc, pour vous dire une chose, on va le faire ensemble. Je sais pas ce que ça va donner. J'ouvre mon popcorn, j'ouvre mon maïs. Vous êtes nombreuses à me demander d'où viennent ces ciseaux là que vous voyez tout le temps. Quand je vous dis que tout est renseigné, je vous mets systématiquement en barre d'infos le lien de notre boutique Amazon. Eh bien, vous avez tout dans la rubrique maison, vous les avez les ciseaux bien sûr. Donc le maïs qui est bio, hein, c'est pas plus mal. Et alors ils indiquent de remplir la petite coupelle là. Donc je peux pas vous montrer en même temps parce qu'il faut que la machine soit posée sur une surface plane, d'accord? Mais peut-être qu'on le prend en Instastory. Non mais pas trop parce que... Oh, j'en ai fait tomber un grain. Alors attendez, ne me quittez pas. Voici le popcorn. Voici la machine. Donc le maïs, tout là-haut, là, dans le réservoir. Donc ils indiquent qu'il ne faut surtout pas utiliser de matière grasse. Et ensuite, donc je remets comme indiqué, je remets la coupelle à sa place et j'allume. Donc l'allumage se fait au dos de la machine ici, d'accord? D'accord. J'ai un saladier. Et normalement c'est immédiat, vous m'entendez ou pas? C'est pour tout quoi? Attends, attends. Moi personnellement, parce que je parle à bouche pleine bien sûr, moi personnellement, je suis team popcorn salé, j'ai déjà dit.
Moi, le popcorn sucré, j'ai jamais compris. Mais là, c'est bien. Mon bal chez les neutres, nature. Qui veut du caramel, qui veut du sucre, qui veut du, moi personnellement, du sel. Moi, je veux en faire un snack keto. Je peux mettre mon ghee fondu. Les Américains font beaucoup ça, le beurre fondu sur les popcorn. J'ai toujours trouvé ça ubuesque, mais maintenant que je suis une diététogène, c'est très intéressant. Ou une huile de coco, un gain. Eh bien, c'est incroyable l'effet, les garçons. Je la débranche. Et voici. Incroyable, mais vrai. Ils sont sortis par là. C'est incroyable. Donc, ils expliquent qu'il faut attendre 15 minutes avant d'en faire une nouvelle tournée. Je suis tellement contente de cette machine. Donc, c'est très bien. Le temps que je fasse mon rangement, je vais boulotter mes popcorn encore chauds. Donc, les filles et les garçons, je vous laisse donc ici pour cette toute nouvelle vidéo lifestyle dans laquelle je vous ai partagé les trésors de mon quotidien, les choses de la vraie vie, mes derniers craquages, également quelques cadeaux que je destine à mes gens, mais ça vous permet de... ça me permet à moi de vous partager des choses que j'ai déjà, d'accord? Et que j'utilise, dont j'ai besoin vraiment dans mon quotidien. Donc j'attends avec impatience et vraiment joie vos commentaires sous cette vidéo. Ce que vous aimez dans les vidéos lifestyle, si vraiment ça vaut vraiment le coup que j'en fasse de plus en plus régulièrement, d'accord? Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous mets tout ce qui est nécessaire ici pour vous abonner à ma chaîne, il vous suffit de cliquer une nouvelle fois. Je vous fais de gros gros bisous et à très très vite. Bye!